Sénateur, bonjour. Bonjour Bergson, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux auditeurs et auditrices de Magic. Nous bien content de gagner 3 minutes et commenter sur le discours PM Ria et sur ce que nous comprenons qu'on appelle à une intervention étrangère pour cause humanitaire. Si bien comprendre ça, certains monde comprennent. Oui, Bergson, il y a 3 minutes, donc on va aller rapidement. Première intervention là, il faut aller sous question discours. On regarde rapidement. Discours a commencé par une phrase du Premier ministre et Ariel Henry qui dit que toute bagaille monte tête nègre et bagaille au balvin plus grave. Donc, son constat d'échec, puisque c'est sous lit que ou joint bagaille là, il vient monter tête nègre dans le niveau ça. À partir de ce moment, il y a deux conclusions. C'est soit il dit, eh bien, moi, démissionné. Jean-Pierre Dirichat et Capel, c'est soit le vient avec solution pour le dire, bon, mais ça me voit le fait à partir de ça. Bon, nous, ouais, que niveau et problème là, on l'autre côté, la petite peuple a clérigé, et puis, il dit, c'est des affairistes ou bien des politiciens. Mais, mes amis, au moins responsable. Font enquête, dit que d'après enquête où, mais qui est-ce ou joindre qui a fait ça, et mais qui décision va prendre. Donc, ça veut dire que Ariel pas prend aucune décision, ni pour aller à l'école by démission, ni pour dire mais ça le voit le fait par rapport à crise alimentaire, crise sécuritaire, crise scolaire, crise judiciaire. Donc, dans ce sens-là, ça nous remarque, c'est que je vous dis, il faut premier cela, au moins il y a des sens pour dire que, eh bien, bon, quitter justement, communauté nationale là, joindre en solution, puisque moi-même, moi, d'accord pour dire. Il y a des là, internationale là, par rapport vous le dit au secours, par rapport à ministre Affaires étrangères qui dit tout est sous contrôle, mais il voit que, malgré l'adresse là, justement, il n'a pas gagné une réponse. Il a été adressé déjà là, il m'a dit, il a gagné une réponse. Donc je dis à moi parce que, c'est quitter la communauté nationale là, les dirigeants nationaux, même en solution pour que nous avons dit vraiment une solution haïtienne et internationale là, tout profiter justement. Jean Dario se dit là, dans notre rêve, pour que nous-mêmes nous ayons une solution. Parce que l'un a dit solution haïtienne, il y a des bouches. Je dis, il n'y a pas de ça. Il y a des solutions haïtiennes, oui, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Donc, quitter jouer nos solutions haïtiennes, moi, je pense qu'il y a pire des pays. Pardon, Guillaume, là, excusez-moi que peut-être on va ajouter une ou deux minutes en plus. Moi, en tout cas, des sources, dis-moi, clairement, l'international, notamment les Américains, dont les décisions ont un certain poids. Conseil d'acteur politique, et il dit, il y a une contention avec eux, et il n'y a pas de vle. Ou dans le groupe Mounsa, ou pas. Et puis, deuxièmement, et le premier ministre dit qu'il y a des mouns politiques qui, avec gangyo, et des mouns dans le secteur business, qui a fait ça, fait dans la rue, ou même qui ont opposant, est-ce qu'on considère que la parole avec vous ou pas, ou bien est-ce que son voix détournée ou bien son fuite en avant? Comment vous analysez la question ça? Comment nous analyser? Moi, je dis ça, Robert. Si vous avez mis cela lui-même, lui, c'est un responsable, un dirigeant. Depuis juin, avec il a répété en parole. Moi, quoi que je dis, la meilleure chose, il y a une possibilité de faire avec lui, faire vivre pour dire que, écoute, mais ça que me joigne, mais côté problème la sortie. Donc, moi, quoi que je dis, premier ministre là, c'est lui qui, même de facto, c'est lui qui a charge. Deuxièmement, il n'y a pas parlé de dirigeant politique pour transition. Il a parlé d'une solution pour que transition qu'a organisé pour aller dans l'élection avec des dirigeants politiques. Parce que moi, pas crois que les dirigeants politiques, leur grand parti politique, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir par les urnes. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'a parlé aujourd'hui. Et c'est ça pour Haïtiens, apprendre que meilleure façon pour qu'ils occupent un pouvoir, c'est pas les élections. Ça a parlé. On a parlé là de, justement, communauté internationale, la seconde solution qu'a faite. Faut pas qu'elle dit que nécessairement, eh bien, faut Ariel Henry la donne. Faut Intel la donne. Faut certains mouns pas la donne, parce que, il y a des tisores qui disent, il y a des mouns, notamment, qui rejoignent Akwamondana et qui, pas de bénédiction blanc du tout. C'est ce qu'on nous dit de temps en temps. Bon. Moi-même, moi, qu'on ait dit, faut certains mouns la donne. Ouais. Faut certains mouns la donne. Et autant de ça, tout Robinson, il y a d'où que, si vous avez un consensus à fait, inévitablement, eh bien, fort, et justement, premier ministre à la dalle.
Bon, yo di gen moun pou ki pou pala den tou. Mtande gen moun yo di, moun sa yo kat make yo e. Yo gen problem a Ameriken. Se sa mtande de sous di nou. Ou mwen te posif. Mwen men, senatè, nan pale de moun ki pou ale nan transisyon la, e m konen transisyon en general, li fèt pou de moun ki pa pale nan eleksyon. Mètnen, sou kèsyon e intervensyon militer étranger la, le militer koye, ansyen komisèr de polis koye, ki reaksyon, poske la nou te ouvè linyo pou nou te etande diferent apresyasyon de nou auditeur. Ki pozisyon la? Mwen mènen une minute et demi, s'il vous plaît, poske mwen te rati jan mèdou nan relan sa kèsyon. Pozisyon ou person, ni klèr, poske jodi a nan situasyon an nou gade sa intervensyon militer depi 94 jusqu'a 2017 pote. Sa ve di ke, intervensyon militer li pou ton stabilite de fasad, li va jem rezout problem institisyonel yo. Donc, ou pa ka recommencé avec un bagage côté ou remarquer que son constat d'échec. Jodi a, nous besoin assistance justement étrangère pour renforcer institution que nous gagnons. C'est ça qui n'a plan sécurité nous présenté en septembre. C'est ça il a donné et dans grande ligne que jodi a comment pour accompagner l'armée et la police pour que yo ka fè travail yo et pour nous pas gagner une stabilité de façade et une stabilité durable. Moi, quoi que je dis à ces positions, ça, okay. Ces positions que si tu es fait il y a cela 6 mois, il y a cela 9 mois, nous pas tapons dans la situation, ça. Nous pas qu'à vouloir recommencer avec un bagage qui va marcher. Moi, comprends. Maintenant, quittez me font tirer là. C'est quoi, quelqu'un qui dit là, conseil de leader politique qui était très vocal, n'a demandé pour ministre à aller, et plan, yo, c'était très simple, armé partisan, yo, pour yo, kage, contrôle, espace, côté ouvlé à l'élection, yo, c'est dans son yo, prenons spirale, pays à venir gang tout côté, et dans pile cas, ce sont les hommes politiques qui ont armé les gangs. Et, ou bon commentaire? Ouais, bon, vous dites un matin, t'as parlé, Oberson. Il t'a dit que l'été gagné en 2008, et mettre de la fin, je t'ai dit, c'est tel monde qui t'a fait, comme si t'as plat, pas de n'a grand coup. Eh bien, ici, c'est toujours, justement, des mondes qui a pour relayer, des bagages, soit pour que vous essayez de cacher la réalité. Ouais? Cacher la réalité. La réalité, c'est quoi? En 2006, moi-même personnellement, j'ai écrit un livre, Quelle force publique pour Haïti, et là-dedans, moi, j'ai présenté un plan en 2 ans de transition pour que vous ayez remplacé la force internationale qui était là. Ça veut dire que pendant que la force là, il a mis l'armée à sous pied, il a passé l'équipement, même j'ai été fait Libéria, il a entraîné. Et puis là, on peut aller à bon force qui remplace elle. C'est plein ça que je t'ai présenté à la fin de l'hiver. Pendant 2 ans, malheureusement, pouvoir quitter là, des îles pas dans l'armée. OK, il n'y a pas de suivi. Et là, après, il y a vite dans l'armée. Eh bien, international, là, il n'y a pas de. Donc, il faut nous poser problème de façon profonde pour ne pas arrêter dans le débat avec mon abdi à vous. Parce que là, il faut une analyse profonde. Il faut une analyse de pays, de institutions. Mais il y a des témoignages qui indiquent que il y a des côtés qui sont armés, il y a des gens qui sont gang qui disent que c'est homme politique qui est armé. Oui, c'est une réalité. Et objectif, oui, ça a parti ça dans le débat national. Là. Oui, excellent. Oui, sénateur. T'es un député, justement, on a parlé d'Abon. Il était bas, il a côté l'IA. Mais l'armée dominicaine assez forte. Et au vignon, mettait tout en bas code. Et dans tout le pays. Il y a des gens qui ont essayé, par exemple, aux États-Unis, là, il y a des gangs de New York, il y a pile de gens dans le business qui ont des gangs. Mais est-ce que ils ont été plus forts parce que la police, parce que la garde nationale, parce que l'armée, et là, gang yo, 150 gangs qui ont envahi New York, là où tu as gagné. Giuliani. Eh bien, là, ça, il y a les gardes nationales. Oui, mais nous n'avons pas ça là nous-mêmes. Gon espèce de disproportion. Gang yo, gade ça, et on regroupement de gang là, fait la asphyxie au pays là depuis presque 3 semaines. Dans le bloc terminal Varouya et sénateur. Son processus privé là, les sénateurs la tortue. Écrit un livre. Li baille à président privé. Li dit, mais comment pour yon faire transition? Okay. Mais qui institution pour me mettre sous pied? Bon, l'on pas fait, ou exécutif, c'est normal pour une rive dans la décomposition qu'on gagne là. Mais sous tu fais, et bon, on va la priver là. Maintenant, que faire? Parce que nous avons délicaté ça. Que faire? Oui, maintenant. Oui. OK. Moi-même, je vais bagage pour le moment pendant la paille là. Première action qui vous a fait là, mandé chef police, on doit interroger le mandé là. On a parlé d'équipement, on a parlé de bagage qui vient. Confier vraiment question d'intelligence avec la police. Ça veut dire que bataille qu'a fait là, il n'est pas une bataille opérationnelle. Il est opérationnel à 20%. Mais l'intelligence à 80%. Premier bagage que moi mandé là, et m'a demandé depuis mois de janvier,
on va garder en question d'intelligence que la police a besoin, et puis c'est à 5% que vous remettez la police. Ben, la police là, m'assure que vous pouvez résultat, ou comment c'est changé en attendant que viennent les équipements. Parce que l'opération policière est à 81% d'intelligence et 20% opérationnelle. Bon, oui, mais... moi-même, bah, ça a clair, je dis déjà, je dis encore aujourd'hui, et les moyens sont là, les moyens sont entre les mains de la primature. Merci, sénateur, pour cette